consecutive. Thank you.
Je vais te remettre sur pied. C'est pas mal. Où est-ce qu'une jeune fille comme toi a appris à faire des bandages? J'ai pas mal bossé comme serveuse de nuit. Les bagarres, ça finit souvent comme ça. Hé, hey, tu l'as retrouvée. Bien joué. Alors, il va falloir la porter en haut de la tour radio, c'est ça? C'est le meilleur moyen de diffuser un signal puissant dans toutes les directions. Écoute, Lara, il faut qu'on envoie ce SOS. Mais je ne suis pas en état de grimper. J'avais peur que tu me dises un truc comme ça. Tu peux le faire, Lara. Après tout, tu es une Croft. Mais je ne suis pas ce genre de Croft. Bien sûr que si. Mais tu ne le sais pas encore. J'espère pour nous que tu as raison. Mais... sois prudente, Lara. Heureusement que Ross m'avait préparé. Tous ces treks, tous ces entraînements d'escalade. C'est comme si je m'étais préparée à ça depuis toujours. Il est clair que des gens vivent ici. Ils sont organisés, ils tuent et ils recrutent. Mais pourquoi? On dirait une sorte de secte. Mais qui vénèrent-ils? Que veulent-ils? Que cherchent-ils? Je peux y arriver.
silhouettes dorées, les servantes de la reine solaire. Des sacrifices, des meurtres. Il n'y a aucune trace de ces rituels dans les récits du Yamatai. À moins qu'on les ait effacés. Construit en l'honneur de ses prêtresses. Incroyable. Compris. Ouvrez l'œil. On ferait mieux de rentrer.
J'ai parlé à plusieurs habitants de l'île. On m'avait formellement interdit de quitter le palais, mais il en fallait plus pour m'arrêter. Mon objectif est clair, je dois découvrir la vérité. Mais les histoires que je découvre dépassent l'entendement. Des rumeurs affirment que la reine serait en communion avec le monde des esprits, qu'elle commanderait le soleil et la pluie, et que les terres ne seraient fertiles que par sa volonté. Ce sont sûrement des inepties, mais d'où viennent ces rumeurs? Est-ce ainsi qu'elle contrôle son peuple? En usant de superstitions primitives? Lorsqu'ils parlent de leur reine, je vois du respect dans leur regard, mais aussi de la peur. Le peuple est traité avec justice, taxé raisonnablement et protégé par les gardes tempêtes. Je comprends qu'ils la vénèrent à ce point. Certains voient en leur reine une véritable divinité. Semer le mécontentement au sein de la population risque de s'avérer plus difficile que prévu. Mortier et son pilon, probablement utilisé pour préparer des potions à base de plantes. Il y a aussi des petits fragments d'os. J'espère que ce sont des os d'animaux.